T'avais dit, si on est 200 dans le channel, est-ce que ça serait possible de doubler les faveurs? S'il te plaît. S'il te plaît. Est-ce que ça va être à wish? Est-ce que ça va être à non? Également. C'est oui. Les amis, attendez, Nathan, c'est-à-dire que ce soir, au lieu de 6000, je vais gagner 12000 faveurs. C'est ça. Non, mais en plus c'est que là le lobby que je vous ai dit aller, il s'est pas mis à jour correctement, ça me saoule. Comment voulez-vous qu'on fasse une émission avec une communauté de malades? C'est un peu, c'est... Vous êtes des oufs dans votre tête, c'est un truc de malade. Sinon. Les amis, est-ce que vous êtes prêts pour le l'interview de Bicelad? Donc, c'est cadeau. Bicelad, si t'es dans ce channel, je t'aime. Hello, aujourd'hui je suis avec Bicelad. Salut Bicelad! Eh ben c'est tout le monde, déjà c'est Bicelad! Alors Bicelad, première question, attention, peut-être une question qui va te sensibiliser, qui va te faire changer ta vie. Quelle est la réaction quand t'as su que le Père Noël existait? Non, le clean-up de sa mère la pute! Je comprends, Bicelad, ça va être très dur pour vous, pour moi, c'est le Père Noël, je sais très bien. Qu'est-ce que vous faites? Quel est le bruit que vous faites dans un rapport sexuel? Aïe. Ah ouais, pas mal. D'accord, je vais faire une petite blague comme ça, petite taquinette. Voilà, c'est l'histoire d'un pingouin, tu vois, qui est respiré par les culs. Voilà, et puis un jour il s'assoit, il meurt. Ouais. En tout cas, merci hein, que vous rigolez à mes blagues, ça me fait vraiment plaisir, ça me touche, parce que c'est des blagues travaillées, recherchées. Voilà, donc une question qui vient de tomber, qu'est-ce que vous ferez face à la police là, maintenant? Je les mets tous dans les toiles d'araignée. Alors en tout cas, Bicelad, qu'est-ce que ce serait votre plus grand souhait sur YouTube? Je veux devenir un gros con. Mais petite question comme ça, combien de temps que vous n'êtes pas allé aux toilettes? Ça doit faire au moins une éternité. Mais à chaque caca, le dernier caca, qu'est-ce que vous vous dites dans vous-même? Je le sentais pas là. Je le sentais pas à cette fin là. Je me suis dit putain, je vais tout niquer juste à la fin comme d'hab. Et non, c'est passé tranquille. D'accord, mais vous vous essuyez souvent avec quoi dans le toilette? Torcher le cul quand je vais faire caca. Avec des lingettes. Alors on nous a signalé que vous savez faire le lion, donc allez-y, on vous écoute, faites le lion. Merci Slide d'avoir été avec nous, je vous laisse la parole pour peut-être un petit dernier mot. Évidemment, oh, j'en ai une autre, les amis. Attention, je vais venir avec nous, la papuche. Et Monsieur Nobody Player. Bonjour, c'est parti, je suis Monsieur Nobody Player aujourd'hui. Cadeau. Alors, Monsieur Nobody Player, première question. Quand vous voyez la police, qu'est-ce que vous leur demandez? Qu'est-ce que vous leur dites? Voyez ma gueule. Ah ouais, d'accord, c'est pas très correct de votre part quand même, Monsieur Nobody Player. Il faudra se calmer. Quel est votre style de musique préféré? Une question que tout le monde doit se poser. Votre style de musique que vous écoutez tout le temps dans le bus, dans votre voiture, en scooter, en vélo, en bicyclette, en roller. Hop. Alors non, Monsieur Nobody Player, c'est le hip-hop. Eh oui, il faut se calmer, je vous assure, il faut se calmer. Alors une question un petit peu discrète, on va dire. Est-ce que vous avez déjà eu un rapport sexuel? Comment ça s'est déroulé? Expliquez-nous en détail. C'est le chopé là, vous savez, dans le coin là, mais ça marchait pas, ça rentrait pas. Du coup, j'attendais patiemment qu'il sorte. D'accord, mais bon, après être sorti, on va dire de ce rapport, qu'est-ce que vous pouvez témoigner, Monsieur Nobody Player? Là je lui ai mis pas mal de dégâts, je lui ai mis plus de dégâts que ce qu'il m'a mis. Du coup ce qui se passe c'est que du coup il va tenter de vous foncer. D'accord, bah merci à vous Monsieur Nobody Player pour cette interview. Présent attention hashtag Funcraft 3, 2, 1, le lobby 1.2 s'il te plaît.
suis content. C'est sûr, hein, j'aurais jamais cru qu'on aurait été déjà 714 connectés à l'heure là sur Funcraft. Déjà, c'est une victoire. Et vous êtes plus de 226 dans le channel, les amis. C'est un nouveau record. C'est la V2. Je rappelle que si on est 250 under, il va chanter. Alors, je sais. Ah non, c'est 250, hein. Non, 40, ouais. T'avais dit. Non, 50. 40. Ah. Moi je sais pas si Steeler est papa, pas, les bestes. Mais non, mais Steeler. On chante pas si on chante pas, Nathan. Ouais. Oh là là. Juju. Oh là là. Est-ce qu'on chante? Franchement. Si on s'y met à 4. Par contre, j'ai un petit peu du monde chez moi, donc ça, ils vont me prendre pour un fou. Bah, c'est cool. C'est ça qui est encore plus mort. Ouais, voilà. Alors. C'est le but. Mince, ma connexion a crash. Est-ce que les amis dans le TS, bon vous pouvez pas écrire mais dans le lobby 1.2, est-ce que vous voulez voir les 4 admins chanter? Non. Oui ou non? Bien sûr que non. Bien sûr que non. Bien sûr. Pourquoi pas? Attends, je crois que j'ai vu passer un nom à un moment. Ouais. Oui, c'est bon, il a raison. Même William Raisin dit non, franchement. Les amis, commando. 100 000 faveurs à celui-là qui dit non. Mais dis donc. Les amis, si vous chantez ça, si vous chantez ça comme chanson, vous êtes, je pense, les patrons de Minecraft. Je pense qu'ils sont d'accord. Non, moi ce que je vous propose, sincèrement, là si on fait un truc, ça va être nul, ça va être raté. Quitte à faire un truc nul et raté, autant qu'on le prépare un petit peu à l'avance. Vraiment, on se prépare un truc, on se chauffe un peu, on s'entraîne et la semaine prochaine on te fait un truc. La semaine prochaine. Alors, attendez. Mais vraiment quelque chose de propre, hein, genre où on enchaîne les paroles entre nous et tout, tu vois. Ouais, ah, les amis, ouais, on peut tenter un petit truc sympa. Mais est-ce que vous donnez votre parole que la semaine prochaine vous serez là pour chanter? Ouais, par contre ça je garantis pas d'être là. Bah au pire dans match de semaine. Si vraiment Ben même si ouais. Ben n'est pas là, vraiment si tu veux on peut faire la semaine prochaine, c'est dans deux semaines et comme ça Ben sûr il est là. Attends, c'est signé ou pas? C'est signé? Non, non, franchement c'est signé, c'est signé. Ah ouais, complètement. On fait un truc propre. Juju, tu signes ou pas? Ah oui, mais moi je signe. Ah, tu signes, y'a pas de soucis.